Bonjour, bande de psychopathes, ici Merlin Boss pour le 69e épisode d'Afterbirth. Dans l'épisode précédent, on a fait une magnifique partie en grid mode avec Isaac, ensuite on est devenu Lazare, on est très vite devenu Guppy, on a chopé au final Mom's Knife, et Triple Shot, c'était plutôt cool, on avait Infestation 2, du coup on générait des mouches, des araignées, c'était vachement sympa. Aujourd'hui, il y a un daily challenge avec Eve, ouais, moyen. Et du coup, je pensais continuer un peu de grid mode, mais avec The Lost. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, donc allez, c'est parti. On n'a toujours pas débloqué la Holy Mantle pour lui, malheureusement. Ça devrait pas trop tarder, mais bon, on y est pas encore. Malheureusement, on a pu donner très peu de pièces dans l'épisode précédent à la grid machine. Hein. Grid a fait son connard, mais bon. Alors, damage up, est-ce que je choisis un bon item ou alors est-ce que je commence comme ça? Voilà. Pour notre première partie, on va dire qu'on commence nature, on va dire. J'ai toujours le D4. Est-ce que j'ai envie de l'utiliser tout de suite? Je sais pas trop. Mister Mega, ouais. Il est maintenant 20h. Merci, Canadien. C'est vrai que je suis The Lost, donc je vole. Pendant un instant, j'étais là, mais pourquoi je vole, en fait, là? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je vole? Bon. Oh, bah. Je voulais des pièces pour acheter une clé, mais au final, deux clés, ça me va aussi. Alors, chocolate milk ou bien ça? Ouais, chocolate milk, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Avec The Lost, c'est pas trop mal, je pense. Bon, même de manière générale, c'est vrai que beaucoup de gens détestaient Chocolate Milk, mais bon. Enfin, moi le premier, en fait, dans le premier Isaac, je sais plus trop pourquoi. Bref, n'oublions pas que The Lost a les Spectral Tears, donc on peut se planquer derrière les roches et tirer. Ah non, Chocolate Milk, ça peut être intéressant. Mais n'oublions pas, on n'a pas Holy Mantle, on se fait toucher une fois, on est mort. On est The Lost, hein. On n'est pas The Lost pour rien. Bref, le perso ne s'appelle pas The Lost pour rien, c'est ce que je voulais dire. Du coup, le D4, j'ai pas tellement envie de le réutiliser. Même l'utiliser la première fois, je sais pas si c'était une bonne idée, mais bon, bref. Bah, on a pu avoir des bombes, c'est pratique, les bombes. Wow, attention. Attention, attention. Ouais, non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. On a un bon potentiel, ici. Après, va falloir l'exploiter correctement, et ça, c'est une autre histoire. Bon, normalement je suis pas trop crevé, mais j'ai fait une run d'Isaac juste avant. Bon, ça veut dire que je suis échauffé, mais j'ai aussi fait 1h40 d'enregistrement de Don't Starve, donc je suis pas sûr que ma concentration soit au max, mais bon, bref. Si je parle pas trop, ça devrait aller, peut-être. Bon. Allez, voyons ce qu'on peut faire avec tout ça. Bon, cœur d'argent, j'aimerais bien, mais c'est inutile. La Red Candle, c'est intéressant. Intéressant, mais j'aime pas trop. Chaos. Ok. C'est pas courant d'avoir Chaos aussi vite. Judas Tang, ça me servira à rien, mais why not. Et du coup... Bah, continuons. Au moins, on sait que Chaos va augmenter nos chances de devenir Guppy, ce qui est pas mal. Et ça peut nous donner des items assez cheatés. Ça serait assez marrant qu'on tombe sur la Glowing Hourglass avec The Lost, quoi. Ça serait assez débile, surtout. Parce que, bon, déjà, pour qu'on arrive à Ultra Grid, c'est pas évident. Mais bon, pour pouvoir tuer Ultra Grid suffisamment vite, et utiliser la technique de la Glowing Hourglass en étant The Lost, faudrait vraiment qu'on devienne ultra cheaté. Bon, on peut toujours retomber sur Blank Card, Two of Diamonds, hein. En plus, je suis tombé dessus dans l'épisode précédent, mais je me suis gouré. C'était assez... Wow, assez dégoûté. Bref, revenons sur Terre, on est The Lost, on meurt. Voilà. C'est comme ça, les parties avec The Lost. Du rain job, ouais, non. Ouais, non, rien d'intéressant. C'est un bon tears up, ça. Mais bon, wow. Je voulais pas mettre le jeu en full screen. Ah, ma main commence à partir. Alors ça va, mes articulations ont bien tenu. Jesus Juice, ah, c'est toujours un damage up, mais c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible, ça suffit pas. Bon, je vais peut-être pas encore à nouveau, comme dans une des dernières parties avec The Lost, juste prendre les parties où il me file Magic Mushroom, quoi, ce serait un peu con. Mais bon,
Mister Boom, putain, j'ai failli mourir, ça aurait été marrant. Pardon, pas vraiment, mais bref. Oh, Curse of the Blind, Mom's Pearl, on s'en fout. Magic Scab, on s'en fout. Mister Dolly, on s'en fout, je crois. Ça me file pas des clés aussi. Non, Davy, vachement utile avec The Lost, hein. Bon. C'est assez dommage qu'on ait pas encore Holy Mantle, ce serait différent. Ce serait différent, c'est clair. Ça changerait pas mal nos stratégies. En plus, je crois qu'avec The Lost, on peut arrêter les vagues sans se prendre des dégâts. Ce qui serait vachement cool si on se fait toucher... Enfin, si on perd notre Holy Mantle, quoi. Par exemple, j'arrête d'appuyer sur F sans faire exprès. Bon. Ah, mais allez, donne-moi un truc sympa. Bon, j'ai toujours le D4, faudrait que j'utilise, en fait. Ah, pentagramme, c'est combien déjà de damage? 1.6. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Encore ce machin, je sais jamais ce que ça fait. Ça suffit pas, ça suffit. Continuum, mais c'est bien, Continuum, avec The Lost, je sais pas si ça va... YOLO, allez, essayons. J'ai pas suffisamment eu le Continuum pour que je puisse me permettre de dire fuck it, quoi. Faire des trucs intéressants avec. Alors on peut attaquer de loin, de l'autre côté. Ça peut être fun, ça peut être fun. Après, voilà, je suis pas habitué à l'utiliser, donc bon. Donc bon. Bon, n'oublions pas, on est safe dans les roches avec The Lost. C'est toujours, enfin, à part s'il y a des ennemis qui balancent des bombes, dans ce cas-là, on est poids très safe, qu'est-ce que je raconte. On est plus si safe que ça, mais bon. Bon, normalement, il se transforme pas en squelette, vu qu'on est que dans Basement. Oula, ça fait beaucoup d'ennemis. Bon, j'ai pas envie de réutiliser le D4, du coup, bien sûr. Hein. On essaie avec Continuum. Il y a beaucoup d'ennemis, disons. Dis donc. Bon, du coup, j'ai perdu mon pentagramme, mais au profit de Continuum, qui peut être un item très intéressant. Après, si on pouvait choper autre chose qui aille bien avec... Je sais pas du tout comment marche Brimstone et Continuum. Il me semble que ça marche plutôt bien. Après ça... Waouh. What? What? Ok. C'était quoi ce bullshit? Alors les mecs, ils sont passés à travers la roche. Oh, neuf foutre, on t'explose dans la gueule. Ok, merci. Sympa. Bon. Sympa. Bon, ultimement le D4, c'est plus rapide. Alors, on peut tomber sur n'importe quoi avec le D4 aussi, donc bon. Ça peut être sympa. Et colis, on s'en fout. Avec ça augmente un peu les item pools. Enfin, je pense qu'on peut tomber sur n'importe quoi. Triple shot, c'est pas dégueu, mais c'est... Je sais pas. On va voir. À voir. Pas dégueu et c'est pas dégueu. Bon. Ça peut être sympa. Bon, ce serait bien de diminuer notre fire rate. Enfin, l'augmenter, mais diminuer le tir delay ou un truc comme ça. Bon. Ça s'appelle comme ça, c'est assez perturbant. Enfin, j'ai failli me faire toucher. Mais ouais, triple shot, c'est assez bon. Après, c'est surtout bien pour les boss, je présume. Bon, ça nous permet de toucher plus d'ennemis en même temps aussi, en grid mode. Bon, pour l'instant, pas trop. Mais ouais, ça peut être intéressant. Ça marche aussi avec Brimstone, je crois. Bon. Ça fait des siècles que j'ai pas eu Brimstone, et surtout en grid mode, quoi. Putain, je me rends compte que c'est vraiment dommage qu'on ait perdu la partie avec Chaos. Parce que, ouais, bon, évidemment, je fais de la merde. Parce que, ouais, avoir plus de Devil Deal. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Avoir plus de Devil Deal. Avoir plus d'objets Guppy. Ça aurait pu être pas mal. Je sais, Grosse Hormone, c'est bien, mais... Oh, Cricket's Head. Ah ouais, du coup, j'ai gagné par rapport à ce qu'on avait. Oui, je me disais, c'était bizarre. Bon. Wow. Ah ouais. On a vraiment besoin d'une bombe, là. Intéressant, Cricket's Head, bien sûr, toujours intéressant, mais... Il y a deux Tinted Rocks, c'est n'importe quoi. Bon. Enfin. Du coup, ouais.
Cricket's Head, hein, damage multiplicateur. Et un bon damage up également. C'est un très bon item pour démarrer, c'est évident. Attention à l'autre poupe. N'oublions pas, on peut rester derrière les roches. C'est mis, ça devrait aller. Cette partie a un bon potentiel, ce serait bien qu'on arrive à jouer un petit peu mieux là. Essayer d'arriver un peu plus loin, ce serait bien. Oh mais sérieusement quoi. C'est pas possible. Je dis ça et je fais n'importe quoi. Bon, du coup on a deux items à reroll. Ça peut être sympa. Encore triple shot, bon. Triple shot et lank. J'ai pas envie de devenir Blue Baby, mais... Bon. Ça fait un moment, je crois que j'ai pas fait de partie avec Blue Baby en green mode. Mais c'est pas vraiment ce que je veux, quoi. Donc bon. Bon, bah retentons avec triple shot, hein. Essayons de ne plus faire n'importe quoi comme tout à l'heure. N'oublions pas, c'est vrai qu'avec The Lost, on peut arrêter les vagues de green mode quand on veut. Ça peut être intéressant de faire ça. Bon, pour ça, faut aussi avoir assez de pièces pour acheter un truc bien. Sans doute. Ah, vous savez quoi, je vais reroll triple shot. On va y aller en full, full D4. Libra. C'est toujours bizarre, Libra. Hop, je vais arrêter la vague. Ouais, c'est bizarre, c'est évident. Après, voilà, on a le D4, utilisons-le de façon plus efficace. Parce que jusqu'à maintenant, c'était pas vraiment le cas. Changeons de stratégie. Changeons de stratégie. Ouais, bon, cœur d'argent, pas vraiment utile, c'est clair. Je suis allé dans l'item room. Hive Mind. Non. Pas grand chose qui m'intéresse ici. Cube of Meat. Non, je pense qu'à ce niveau-là, il nous faudrait vraiment un très bon item. Batterie, je vais prendre. Oh, c'est pourri. Oh mon dieu, que c'est pourri. C'est immonde. Ouais. On a encore des batteries en fait. Utilisons-les. C'est très bien. Loki, Poison Tears, non. Tiens, je viens de devenir Lord of the Flies. Intéressant, sans doute. On a pas mal de défense là. Ah, qu'avoir de la défense, c'est pas dégueulasse avec The Lost. Donc bon. On va peut-être rester sur celle-là. Ah ouais, Lord of the Flies. Ah bah, c'est vrai que toutes les mouches deviennent des... Ah bah voilà. On vient de se faire protéger par nos mouches. Je crois que ouais, toutes les mouches ennemies deviennent nos alliés ou un truc comme ça quand on est Lord of the Flies. Lord of the Flies, je connais pas très bien Lord of the Flies. Donc bon. Donc ouais, on va essayer de faire marcher ça. On a une très bonne défense. On va avoir encore une meilleure défense. Il n'y a pas un cube of meat à un moment. Du coup, ce serait peut-être bien de l'avoir si... Je sais plus si... Je l'ai pas à reroll d'ailleurs. Bref, on va voir. On va voir, mais c'est pas... C'est intéressant, c'est clair. Oh. Ah bah oui. Mon pauvre Duke of Flies, je te pique toutes tes mouches. Tu te fais massacrer par tes propres mouches. Rip. Putain, il manque une pièce, quoi. Mais non, je peux pas... Est-ce que je veux... Spider, machin. Pas vraiment. Avec du coup, tous les items qui nous donnaient des vies deviennent complètement obsolètes, bien sûr. Aïe, je n'aime pas ce boss. Polycéphalus. Merci à mes mouches de me défendre. Bon, je sais pas si ici je ne cours aucun risque. C'est possible. À partir du principe que oui. Bon. pas vraiment. Il peut tirer par-dessus. Attention. Ouais, non, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance du tout. Je déteste ce boss, quoi, sérieux. Il peut nous spawn sur la gueule. Bon.
S'il fait cette attaque là, je crois que ça va. Toujours flippant ce truc. Oh là là, attention. Attention, attention. Ah, le David Deal pourrait nous sauver la vie, hein, si c'est Nine Lives, hein, on sait jamais. Wow. Putain, mais c'est quoi ces tirs qui passent par-dessus les roches? C'est du bullshit. Du gros bullshit. Attends, je crois que mes mouches m'ont protégé. What the fuck? Ce boss, mais ce boss, quoi. Il m'a spawn sur la gueule, je suis censé faire quoi? Sérieusement. Les mecs, quoi. Pff, super. Bombzarki, yeah. Eh non, mais non, ces boss-là, sérieux, c'est vraiment dégueu. C'est vraiment pourri, pourri, pourri. Magician, Balls of Steel, ouais, super, super, super. Brother Bobby. Ah, double shot et rune bag, là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, rune bag. Rune bag peut être très utile. Attendez, une bombe, je sais plus d'où, mais c'est bien. Ok, tout ça pour une mouche, sympa, bon. Ok, ok, ah bah il y en avait un deuxième, j'aurais dû, bref. C'est quoi ça? On dirait le Polaroid. C'est un torn Polaroid, ouais, je crois que je l'avais déjà vu une fois, mais je sais pas ce que ça fait, bref. Bref, commençons. Double shot, c'est vraiment pas mal. Une bague aussi, après, faut que ça agisse. C'est un bon début, c'est un bon début. Ok, notre première rune, c'est une rune perso. Ce qui n'est vraiment pas dégueu, ça nous permet de reroll pas mal d'items pour en avoir d'autres, hein, donc wow, attention. Je suis pas assez rapide, mais ça va, c'est passé. C'est passé. Bon, j'ai pas eu les ennemis à temps. Attention. N'oublions pas, on peut arrêter les vagues, je vais le faire. C'est un avantage de The Lost, n'hésitons pas à l'utiliser. Hein. Je sais pas si... Ah, c'était trop tôt. Bon, c'est pas grave. C'est quoi ça, Magician? On s'en fout un peu, je vais l'utiliser quand même. Je pense qu'il reste pas des masses de vagues, mais bon, je préfère... je préfère la jouer safe. J'étais sûr que j'aurais besoin de... Oh, dada! Putain! J'étais sûr que j'aurais besoin de blabla. Là. Je disais, j'étais sûr que j'aurais besoin de boire un peu d'eau. Décidément. On galère. Pas jeune boy, à tout le coup ça va pas me filer de nickel. Oh si, attention. Incroyable. Bon, je peux pas vraiment acheter grand chose. La clé, voyons ce qu'il y a dans l'item room. Magic Mush, je vais pas le reroll celui-là. Je vais clairement pas le reroll. C'est dommage que je puisse pas acheter autre chose. Non. Une batterie. Non mais sérieusement les mecs. Sérieusement, ils ne donnent que des items en rapport avec la vie. Qu'est-ce que j'en foute? Qu'est-ce que j'en foute? Bon. On va jouer différemment. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de garder Magic Mushroom, mais d'avoir un meilleur item pour commencer. C'est assez stratégique. Et j'ai des batteries, donc je peux acheter les batteries, reroll avec le D4. Pour avoir autre chose, bon j'aurais préféré avoir d'autres items, mais bon. C'est pas toujours pas terrible. On va jouer comme ça. C'est une stratégie intéressante. Ok, c'est suffisant ta mère. Ah là là. Le problème c'est que ça suffit pas, Magic Mushroom, c'est génial, hein, c'est excellent comme item, mais ce serait bien d'avoir autre chose avec. Bon, j'aurais peut-être dû prendre et essayer, mais bon. C'est comme ça.
Bon, je sais pas trop à combien de temps on en est. Peut-être une demi-heure de vidéo, un truc comme ça. Putain, c'est con, on est vraiment arrivé nulle part avec cette run. Enfin, avec cet épisode, plutôt. Tu peux pas me filer 9 lives pour une fois et arrêter de faire chier, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas eu 9 lives. Le cup, elle sup. Allez, 9 lives. Encore des pilules. Pourquoi ce bordel? Bon, je sais pas. Je sais pas si on peut avoir 9 lives d'ailleurs. En grid mode comme ça. C'est possible. C'est peut-être une stratégie à aborder tout simplement. Foncer pour 9 lives. C'est bon, on peut pas y avoir de red chest. Donation machine, qu'est-ce que j'en foute? Ouais, je pense qu'il y a moyen que bah, ce soit une stratégie viable en fait, tout simplement. Foncez, essayez d'avoir 9 lives. Devil deal, hein, ouais. C'est pas 9 lives, mais bon, c'est pas dégueu non plus. Les deux sont bien. Les deux sont bien et je peux pas me barrer de la salle, donc ça ne sert absolument à rien. C'est con, bon, j'avais oublié ce détail. Allez, changement de stratégie encore. Essayons d'avoir 9 lives. Bon, nope. Nope, 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 vachement utile. Non, parce que j'aimerais bien essayer d'arriver plus loin quand même. C'est bien de faire des runs legit, mais bon. Quand ça marche pas, ça marche pas. Hein. Faut arrêter les conneries. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a toujours des curse rooms ici, donc bon. Au moins, on doit pas les chercher, comme. Comme lorsqu'on reset avec The Lost en mode normal. Enfin, hard mode, disons. The Fool, on sait jamais. Peut-être que cette partie a quelque chose d'important, tu vois. Bon, non. Ah, encore Full Health. Full Health, Full Screen, n'importe quoi. C'était aussi un Full Health, bon. Je m'embrouille. Je m'embrouille, je m'embrouille. De toute façon, on peut même pas avoir 9 lives là-dedans. Ça m'étonnerait quand même, ce serait bizarre. Ce serait bizarre, ce serait bizarre. Mais bon, je pense que c'est surtout les Red Chests qui peuvent nous filer 9 lives. Bon, allez. Bon, ça aurait pu être hein. Un joker. Nope. On découvre bien les wow. Ce serait pas la première fois qu'il y ait un coffre avec 9 lives et que ce soit une araignée qui me tue. Alors, c'est toujours possible, c'est toujours possible. Bon. Le lit avec The Lost, ça m'étonnerait que ça m'aide à grand chose. Hein. Ce serait marrant que ça me file un Holy Mantle. Pour que je puisse me barrer. Ce serait assez fun. Enfin. Bon. Reset, reset, reset. Encore un lit, encore un lit. Bon. Peut-être arrêter avec cette technique à un moment. Mais bon, j'aimerais bien aussi avoir 9 lives, hein. Ce serait cool. Explosive. Judgment, qu'est-ce que tu veux que je foute avec toi? Curse of the Blind, ça aurait été marrant. Enfin. Non, faudrait que je fasse ça du coup, hein. Jamais, hein. Joker card dans les Skulls, ça peut arriver. Chariot, ça me permettrait de sortir. Ah, je sais pas si je pouvais sortir avec une chariot card avant d'ailleurs. Ça a peut-être été modifié ça. Tour clubs, essayons, hein. Rien n'est impossible. Je crois que ça va avoir mal à la main à force de faire ça. Articulation. Ça
avec les deux parties de... Les parties non, de Don't Starve juste avant n'aide pas. À ce niveau-là, c'est clair. Bon, moi, je peux rien faire. Allez, sois cool. Full health, nice. Nice, nice, nice. Allez, quoi, file-moi un bon Devil Deal ou Nine Lives. Ou Nine Lives ou Brimstone. Non. J'ai jamais eu Brimstone en Grid Mode, je crois. Non, ça doit pas être très courant. Déjà, de base, Brimstone n'est pas si courant que ça, mais en Grid Mode... Ah, sérieux, c'est quoi ce Devil Deal de merde. Oh, génial. Ça m'étonnerait que ce truc m'aide à faire quoi que ce soit. Ouais. Bon. C'était à tenter. Ouais, Cursed Eye. Je reroll, ça devient ça. Et là, il va y avoir une secret room qui me permet de me barrer. Et là, il va y avoir une secret room avec 9 lives. Et merde. Non, on sait jamais. On sait jamais. Ça aurait été marrant. Toujours être une Algis Rune. Passage. Ouais, je peux me barrer. Crawl Space, attention. Crawl Space avec Brimstone. Non, bon. Elle est là. On sait jamais. Two of Diamonds. Eh, hey, pas mal, mais bon. Y a pas la blanche carte qui va avec et je peux pas ressortir de toute manière, donc bon, sympa. Guppy Spa plus bon, ça sert à rien. Guppy Spa plus Bob's Curse, on sait jamais. Donne moi un combo qui me permette de sortir. Non, c'est pas ça qui va me permettre de sortir. C'est vrai que Bob's Curse peut être dans les red chests maintenant, c'est assez bizarre, mais encore des livres. Bon, je pense qu'on va arrêter cette technique dans pas très longtemps. On va encore essayer d'avoir un Devil Deal, mais si c'est pas cool, on rechange de technique et on essaye de faire une partie. Je sais pas si ça peut être 9 lives, mais... Suspense, suspense. Qui es-tu? Rotten Baby. Bon. C'est vrai que je peux pas me barrer en plus. Hop. Toujours essayer de... Wow, ah ouais, c'est vrai que c'est violent ça. Je peux pas me casser. Bon. Bah du coup, on réessaye une partie normale. Je vais juste check le timer. Enfin non, il n'y a pas vraiment de timer, mais je peux check quand a été créée la vidéo. Il y a 29 minutes. Plutôt pratique. C'est tout, ça. Je pensais que la vidéo était déjà plus longue que ça. Ça va, on a encore un petit peu de temps. Soy Milk. Si on tombe sur un truc bien, ça peut être génial, mais c'est un chaos, quoi, en plus. 5000 chaos. Y a une clé, là. Ouais. Ah, si tu me files... si tu me files Deathstalk, là, on peut... Wooden Nickel. Jamais ce que ça fait, ça. Ok, nice. On va filer un nickel, là. Ça peut être cool, je pense, ce machin. Du coup, vous savez quoi, on va tenter comme ça. On va essayer... c'est bizarre, mais... Bon, ça va pas filer de thunes cette fois. Je sais pas comment marche le Wooden Nickel, mais il me semble que ça peut être pas mal en Grid Mode. Et par contre, on verrait que ce Milk là, ça m'aide pas trop. Je pense qu'on va arrêter le timer dès le prochain truc, ouais, c'est mieux. Oh putain. Je sais pas si, voilà, ça va être la run what the fuck. Sans doute. Non, on sait jamais, on sait jamais. Tout peut arriver. Ce Wooden Nickel pourrait très bien nous faire gagner. J'en sais rien, je l'ai tellement peu utilisé que bon. J'ai juste que ça m'a filé un nickel tout à l'heure, ce qui est cool. Bon. Allez. Est-ce que je peux acheter un truc intéressant? Ah, c'est vrai qu'il y a Chaos. Il y a le One Up. Ça marche avec... Ouais, je crois que ça marche avec The Lost. Bah du coup carrément, one up, hein.
Bon, Chaos est très tentant aussi, j'aurais peut-être dû prendre Chaos. Bon. Oh, mon clavier, qu'est-ce que tu fous? C'est pas le moment de bugger. Non. C'est vraiment pas le moment de bugger, mec. Non. C'est vraiment pas le moment. Une partie avec The Lost, c'est pas dans ces moments-là que tu bugs. Oh putain, non, c'est... J'ai des mauvais souvenirs de ça tout à l'heure, ça... Pas une bonne idée. Oh putain, y'a trop de trucs, je devrais arrêter... What? One up. Ok, bon. Nickel, ouais, c'est cool, mais... Ça m'aide pas trop. C'est vrai que du coup, je peux recommencer et rechoper des pièces. Ah bah non. Ah, ok. Ça marche pas comme ça. Bon, c'est protégé. Fuck. Je pensais pouvoir... Oh putain. Oh bon, c'était de magnifiques esquives. Mais là ça va être chaud. Bon, allez, on a encore un peu de temps. Avant que la vidéo devienne trop longue. C'était assez marrant quand même. Encore triple shot. Non, j'en veux pas, c'est bon. 20h30. Merci Canadien. Oui, j'ai dit non, je veux pas et je continue. Encore Chaos, bon. Pour Chaos, je veux bien quoi. Et j'ai eu pari roll triple shot. Tentons, allez. Tentons. Oui, j'arrête. Je vais voir ce que j'ai dans l'item room. Si ça peut m'aider, c'est toujours cool. Et pour ça, il me faut une clé. Et du coup, j'en achète une. Ah bah, j'aurais très bien pu l'acheter tout à l'heure en fait. J'ai pas fait gaffe. Quoi ça, Virgo? Je crois que c'est complètement inutile avec The Lost. Nice. Bon. Why not? Mais n'oublions pas Chaos, hein. Si on arrive à survivre, Chaos, ça peut nous filer le jackpot. Plein d'objets Guppy. Guppy, 9 lives. Le fameux 9 lives qu'on recherche, donc bon. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. On a un damage dégueulasse là par contre, en parlant de dégueu. Non. Je devrais arrêter les vagues comme ça, mais bon, je perds des thunes si je fais ça. Donc bon. J'essaye, attention avec eux. Nice. Bien joué. Attends, on va même l'avoir avant la fin du timer, parfait. Oh, attention au baril de TNT. Non, pas les cons. Tu vas exploser, oui. Arrête de rester dans mon chemin, merci. Bon. Pas mal de thunes. On a un bon knockback, j'ai l'impression. Bon, pas d'où il sort, mais... Bref. Bon. Là, je commence à perdre en concentration, hein, entre Don't Starve et la run précédente. Bon. En tout cas, bien sûr, on peut acheter Chaos. Bon, on n'a pas fini, apparemment. Hop là, putain. Il a failli me sniper. Ça aurait été sale. Bon, je peux pas reroll quoi que ce soit de toute manière. Bon, on va essayer de marcher avec ça. Hein. Il y a un boss, je sais pas qui c'est, Pin peut-être, ouais. Je le voyais pas, je me dis, bon, en général, quand on voit pas qui c'est Pin. Bon. Je sais pas si je peux l'avoir avec deux projectiles en même temps, par contre. Ouais, sur le côté, il y a moyen. Bon. Est-ce que j'ai envie de me battre contre le prochain boss? J'arrive plus à parler. Hey, bon. Ouh là là, ouais, j'aurais peut-être dû arrêter les vagues. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas fait gaffe au fait qu'il y aurait une autre vague après. Mauvaise idée. Ah, Pin, meurs s'il te plaît. C'est pas le con. Crève. Merci. Ok, c'est déjà mieux. C'est déjà moins risqué là. Ah, mais il a combien de vie lui? Sa barre de vie est buggée. Ok. Ça va, peace. Bon, 10 pièces, je peux pas faire. Même 12, je peux pas faire grand chose avec. Bon, il y a une autre batterie, mais j'ai pas envie d'utiliser ça. Le deck of cards pourrait être cool, mais comme je l'ai dit, on peut pas l'acheter. Oh putain, c'est lui que je... Bon, c'est pas forcément lui que je redoutais, il y a pire, il y a Polycéphalus, mais... Je sais pas s'il saute lui, par contre. J'ai jamais vu cette version, je pense. Donc je sais pas ce qu'il fait.
qui est dangereux. Non, il saute. Ah ouais, il fait ça, d'accord. Oui, je crois que je l'ai vu une fois en fait. C'est un gros connard. J'ai envie de rester plus près pour le toucher avec mes 3 tirs, mais c'est pas une bonne idée, je pense. Bon, maintenant je sais comment éviter cette attaque. En théorie. Oh putain. Bon, je peux rester au niveau du bouton, ça change rien là. Sur les The Lost. Donc, le bouton ne nous fait pas de dégâts. Attention, restons vigilants. Ah, t'as trop de vie, mec. J'aurais peut-être dû me contenter de passer au niveau suivant, vu qu'on a Chaos, mais bon. Avoir direct un Devil Deal, c'est toujours bien. Puis je peux avoir n'importe quoi dans le Devil Deal, maintenant. Oh, putain. Oh, da-da-da-da-da-da. Attention, attention. Ah, tu vas te calmer, oui. Non. Les poupes. Oh putain, sérieusement, sérieusement les mecs, sérieusement. Bon, je crois que ça va être la dernière run parce que mes articulations commencent à péter un câble. Aïe aïe aïe, sérieux, sérieux, c'est quoi ça? Ben, j'ai même pas. Enfin, la dernière partie, ça va être la dernière, le dernier essai, disons. C'est bien ça, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Bon, Curse of the Unknown, waouh. Rossormon, c'est sympa, mais faut que je... Bref. Faut que j'utilise le D4. Money Quest Power, merci, mais en Gridvod, c'est pas vraiment le but. D'accumuler le plus de thunes possible. Ben si, mais pas pour ça, quoi. Bon. 1 sur 20, une dernière partie avec 20 sur 20, ça me va. Allez. Un très bon item, ça double notre damage quoi, donc bon. Mythe. Il y a pire. Blancard, hein. Toujours. Ça a toujours un grand potentiel. On peut essayer, hein. On peut essayer. N'oublions pas qu'on a les Spectral Tears. J'arrive pas à parler. J'aimerais vraiment arriver un petit peu plus loin quand même là. Parce que bon, je sais même pas si on a dépassé Basement une fois peut-être. Mais bon. C'est vrai qu'on n'est pas tombé sur des trucs de malade non plus. Je déteste cet ennemi. Non, je recommence une fois parce que vraiment là c'était pourri. Bon, c'est moi qui ai fait de la merde. Bon. Miter, mais qu'est-ce que je fous avec Miter en tant que The Lost, mec? Bon, allez, on aura eu le Magic Mush à un moment. Bon, on l'a eu tout à l'heure, mais je voulais faire des trucs stratégiques et du coup, je l'ai pas. Je peux utiliser. Bon, j'aurais quand même dû essayer le coup du stratégie, mais bon. Putain, j'ai trouvé une Secret Room. Enfin, c'est pas vraiment moi qui l'ai trouvé, mais bon. Range up, why not? Toi, il y a moyen que tu me files un nickel. Et évidemment, j'aurais pu utiliser ma strat. Bon, tant pis. Sister Maggie ou Gemini. Gemini peut m'aider, il peut aussi me foutre dans la merde, mais... Bon, allez, c'est parti. Bon. Si je tombe sur des mecs explosifs, Gemini peut les activer et ça peut me tuer, quoi, donc bon. Mais bon, tentons. C'est une strat, voilà, eux. Voilà, vous. Bon, là, ça m'a aidé, en l'occurrence, mais c'est parce qu'il les a loupés tout à l'heure. Bon. Non, il est pratique, c'est vrai, il est pratique. J'ai des micro-démangeaisons maintenant. C'est un moment. Il en reste un, attention. Bon. Toi, qu'est-ce que je peux faire avec toi?
Two Shot BFF. Ça compte Gemini, je crois. Yep, je crois. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il soit plus gros. Bon. Pas l'impression qu'il soit plus gros, mais il y a moyen. Ouais, je pense qu'il fait plus de dégâts. Ça peut être assez utile. Et attention. Pas, il y a un timer, donc il y a autre chose après. Oh là, The Hunt. C'est la merde. En plus, c'est le champion bizarre que je connais pas trop. Qui fait des tirs bizarres en diagonale. Si je pouvais mourir vite avant de faire quoi que ce soit, ce serait cool. Parfait, voilà. C'est réglé. Bon, allez, continuons. Oh putain, deux polycéphalus. Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Des polycéphalus, quoi. Bon, Gemini, je compte sur toi. Wow, Gemini! Nice! Bon, je retire tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, en même temps, j'ai BFF, mais... Mais bon, GG. Et évidemment, pas de 9 lives. Enfoiré. Bon. Le Devil Deal qui n'a servi à rien. Bon, on est repassé dans Caves, mon dieu, c'est un miracle, non. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi? Qu'est-ce que tu veux foutre avec Super Bandage? Bon, j'aurais pu le reroll si je tombe sur un D6, mais bon, je vois pas de D6. Encore ça. En parlant de D quelque chose, il y a le descend. Sommes-nous assez fous? En même temps, on a le D4, le descend, ça change quoi? Ça va nous reroll des trucs, quoi. Donc bon. Pas vraiment si intéressant que ça. Allez, item room. Cube of Meat, ça fait un peu de défense, c'est pas dégueulasse. Allez, c'est parti. N'oublions pas, on peut arrêter les vagues sans problème avec The Lost. Si nécessaire. Je pense qu'on va le faire à la vague suivante. Après avoir acheté un truc. Enfin non, pas après, bref, je me suis foiré encore. Maintenant j'arrête. Pour acheter un truc, ouais voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Expérimental treatment, je préfère éviter. Bon. J'aurais peut-être dû faire ça tout à l'heure. La shovel, je m'en fous. Squeezie, on s'en fout, hein, décidément. Y'a rien de bien, vous êtes sérieux les mecs. Blancard. Toi aussi tu peux être sympa. Bon, je sais pas si j'aurai assez de thunes pour faire quoi que ce soit, mais bon, on verra bien. Ça, c'est une autre histoire. Ah, le Cube of Meat en plus il bénéficie de BFF, c'est vrai. Bon, on va éviter de jouer agressivement quand même, hein, avec Cube of Meat. On est toujours The Lost, hein. Nice, merci BFF. Ouais non, il me surprend BFF quand même. BFF, qu'est-ce que je raconte? Pas merci, ouais. Gemini avec BFF. Oula. Attention. Attention, attention. Doucement. C'est dangereux ces trucs. Bon, on n'a pas qu'un sense, mais il y a moyen qu'on l'ait. Juste après, parfait. Ouais, je vais m'arrêter à ce boss par contre. Hop. Nice. Gemini, tiens, en parlant de Gemini, on a le vrai Gemini. Ah non, il est efficace, hein. Alors, Blood Clot, Blancard. Toujours un potentiel Blancard to of Diamonds, hein, mais bon. On va prendre X-Ray Vision. Voilà, je sais, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Mais bon, trouver les secret rooms, ça peut être sympa aussi, hein. C'est jamais ce qu'il peut y avoir dedans. Quelque chose qui nous aide. Des batteries, bon, en l'occurrence, ça me sert à rien, là. Ça aurait pu être cool. Enfin, ça me sert, si, ça me sert, mais... Ah, aïe, aïe. Bon, allez, soyons fous. Oui, j'ai tout sacrifié, je sais. Je suis taré. Non. Epic Fetus Libra. Cancer. C'est Epic Fetus quand même. Mais est-ce que ça va suffire? Je
Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir Holy Mantle, mais non, c'est pas ça. Je suis obligé de tenter, c'est Epic Fetus, quoi. C'est dangereux de près, voilà, mais... Mais c'est Epic Fetus, quoi. Bon. Du coup, on a pas mal de possibilités. C'est évident. Alors... Rire le dévin. Augmenter ma fire rate, c'est pas une bonne idée. du tout. Ouais, bon. Allez, pipe, c'est dangereux. Mais bon, c'est toujours dangereux, tout est dangereux. Ah mec, Epic Fetus, c'est que je sais pas où je suis. Non, c'est pas ça. Bon, bref, je me comprends. Je veux bien de me barrer. Et je fais moins gaffe aux items. Campus, sérieux. Oh, mais non, Bon, fuck Krampus. Oh, j'aurais dû prévoir son attaque, mais bon. C'est un peu tard. Putain, sérieux, il y a des gens. Je vais faire mon intro tranquille, mon outro, bon. Du coup, bon, c'est dommage, hein. On a quand même eu des trucs assez intéressants. Mais bon, c'est pas aujourd'hui qu'on arrivera à finir le grid mode avec The Lost. Bon, en tout cas, c'était Merlaboss pour le 69e épisode d'Afterbirth. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine, tout le monde.